Salut tout le monde, c'est Superflo. Comment vous allez? Moi ça va super bien. On se retrouve pour une vidéo d'épalage d'un colis que j'ai reçu aujourd'hui. Donc j'ai eu un petit souci, le carton il est mort. Bon bref, on s'en fout un peu, j'ai envie de dire. Mais donc c'est un micro cravate que j'ai commandé pour ma GoPro avec une perche pour ma GoPro aussi. Et en fait je viens de me rendre compte que j'ai fait une petite boulette. C'est que le niveau du micro cravate, en fait le câble rentre pas, l'embout. Je crois que c'est en bout USB, on va dire, ça rentre pas du tout dans la GoPro. En fait c'est trop gros pour la GoPro, donc une fois un embout plus petit, donc c'est à dire plus fin, donc comme un chargeur de téléphone ou de tablette. Donc je me suis fait un peu avoir, donc voilà, je peux le démonter, je vais vous montrer. Donc si vous connaissez tout simplement un site pour trouver un autre embout, dites moi le dans les commentaires, parce que j'ai contacté du coup Amazon et ils m'ont dit qu'ils en ont plus en stock. Donc en fait j'ai envie de vous dire, je suis un peu dans la mise. En fait ça m'embête un peu parce que j'avais des vidéos à vous faire à l'extérieur, et si j'ai pas de micro je pourrais pas le faire. Donc c'est pour ça, si vous pouvez m'aider dans les commentaires à trouver un site où je peux trouver un embout mais plus fin que ça, et après le côté que je peux brancher sur le micro cravate, comme ça ça évitera tout simplement de racheter un micro, j'ai pas trop envie. Donc du coup voilà, le micro cravate ça peut servir à faire des vidéos à l'extérieur. Mais vu que j'ai plus de micro, je peux pas le faire, donc je suis un peu dégoûté. Ça m'empêche pas de faire des vidéos quand même, mais ça m'embête un peu. J'ai plein de projets à vous faire et de vidéos à vous proposer en même temps. Donc, mais si j'ai pas le micro, je pourrai pas le faire tout simplement. Donc, je vais vous montrer après, du coup, le pied. C'est vraiment un pied vraiment stylé. Donc, en gros, on peut le mettre droit, on peut le plier. Voilà, on peut faire pas mal de choses avec. Si par exemple on veut le mettre sur un rebord d'un grillage ou un truc comme ça, ça peut être vraiment, voilà, c'est vraiment assez cool. On peut faire pas mal de choses avec. Donc c'est un bon trépied. Je vous mettrai les liens dans la description pour les personnes qui veulent savoir. Donc c'est pour ça, si vous connaissez un bon site sérieusement pour m'aider pour le micro, je pourrais vous faire des vidéos à l'extérieur si ça vous tente. Mais j'en ai plein, j'ai plein d'idées, et je pourrais faire vous faire des petites vidéos à l'extérieur pour changer un peu. Donc je vous attends du coup dans les commentaires. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime, de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et si vous avez des idées aussi de vidéos à l'extérieur, dites-moi le dans les commentaires, ça peut être pas mal, ça peut être assez fun. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à très vite et ciao, bye bye, bon game à tous, salut.